L'histoire du peuple africain ne se réduit pas à l'esclavage et à la colonisation. Ça fait 200 000 ans que l'homme noir existe. La colonisation et l'esclavage représentent 0,01% Vous de n'êtes notre pas du parcours tout historique. métisse, vous? Moi, je me considère comme africain. D'accord, mais vous êtes métisse ou pas? On est tous métis, mais vous savez, tous les humains viennent d'une mais seule souche. Vous privilégiez votre partie africaine, quoi. Totalement. Vous avez une raison pour ça? Parce que tout simplement, je pense que quand on regarde nos arts et nos traditions, notre fonctionnement, on voit bien que ça vient d'une région qui est l'Afrique. Excusez-moi, mais je n'ai pas, pas senti ça pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble. En tout cas, je me définis comme africain caribéen. J'ai vu que vous êtes un afro-caribéen. Vous n'êtes pas, vous êtes martiniquais ou guadeloupéen, vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen. Voilà, comme un africain caribéen, effectivement. C'est embêtant comme ça. Il n'y aura jamais de martiniquais, quoi. Ce sera non, toujours afro-caribéen. Non, pas du jamais tout. De martiniquais. C'est-à-dire, non, pas du tout. Au contraire. Ça fait de la peine. Mais au contraire, mais pas du tout. Bah, attendez. Mais pas du tout. Vous savez, l'Australien, hein, oui. quand il dit qu'il est Australien, mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre. Oui, il a toujours les mêmes rites, il a toujours les mêmes noms, les mêmes traditions. Moi, je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe, je suis martiniquais. Voilà. Je suis martiniquais, beaucoup je ne suis pas afro-caribéen, moi. Non, mais beaucoup d'arts et de traditions de la Martinique viennent de l'Afrique, je l'ai démontré hier. Oui, mais je suis martiniquais, je ne suis pas afro-caribéen, je suis martiniquais. Mais être martiniquais, le martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la Martinique, il vient de quelque part. Oui, je suis martiniquais. Il faut assumer. Non, il faut assumer. Je suis martiniquais. Non, mais il faut assumer le quelque part d'où on vient, parce qu'il y a des. Attendez, les Français, ils ne vont pas dire je suis franc ou visigoth, ils sont français. Mais non. Non, justement, le français le dit, parce qu'il sait qu'il vient d'une culture, il est porteur moi ambassadeur aussi, d'une région. Je suis d'une culture, mais je suis martiniquais. Mais vous n'êtes pas martiniquais. Martiniquais, ça veut dire quoi? Voilà, très bien. Mais être martiniquais, non, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous êtes un Africain caribéen de la Martinique. Non, 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 parce je que suis la culture, martiniquais, mais non, parce que la culture du martiniquais n'a pas été inventée en Martinique. Ah bon, et pourquoi vous dites ça? Parce que la culture de la Martinique. Il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure, je veux dire. Donc, je suis martiniquais, parce que je suis d'un peuple qui est géographiquement déterminé, qui est culturellement déterminé, qui est physiquement déterminé. Mais c'est vous qui parlez de culture. Moi, je ne parle pas de culture pure. Je dis que notre culture a des racines au niveau de l'Afrique. Forcément, ça ne m'empêche pas d'être martiniquais. Oui, donc il n'y a pas de culture pure. Je suis d'accord avec vous. Non, donc je peux être martiniquais, même si ma culture vient de partout. Je vous dis une chose. Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Je vous dis une chose. Vous n'avez pas le droit de me dire que je ne suis pas martiniquais. Dites ce que vous êtes. C'est le problème. C'est-à-dire que le projet politique, oui. C'est-à-dire le projet politique, oui. Mais sur le plan du patrimoine, non. Le patrimoine a des racines. Oui. Et quand on veut connaître l'originalité de la culture de la Martinique, on est obligé de voir les racines. Certainement, mais de tous les peuples, de toutes les civilisations, pas seulement martiniquais. Ça n'empêche pas aux gens de dire je suis anglais, je suis écossais, je suis français. Nous sommes martiniquais. Nous sommes les seuls à être incapables de dire que les martiniquais. Non, mais l'américain. Non, mais c'est pas ça, l'américain qui est blanc. Oui. Il se définit comment? Il dit il est WAPS. Non, il dit américain. Non, il dit les WAPS. Non, ben ça c'est non dans un autre rapport. Mais si vous lui demandez, je suis américain, comme le noir américain, non, je suis américain. L'américain, quand il a construit la Maison Blanche et compagnie, il a utilisé le patrimoine culturel de quoi? De l'Europe. Oui. C'est le patrimoine culturel de l'Europe qu'il a reconstruit chez lui. Non, on est d'accord. Ça n'empêche pas d'être américain. Mais le patrimoine culturel du Martiniquais, vous allez le prendre où? Ça n'empêche pas d'être américain. Non, mais le patrimoine culturel des Martiniquais, vous allez le prendre où? Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Donc je le prends partout. Ce n'est pas non, un problème. On ne peut pas bâtir une. On peut pas bâtir bien sûr que c'est comme ça que se bâtissent des cultures. Mais non, parce que les cultures ont des antécédents historiques. Oui. Il y a une signification. Quand on fait un mur comme ça, ce mur a une signification culturelle. Un mur chinois ne peut pas être comparé à un mur indien qui ne peut pas être comparé à un mur asiatique. Si nous, la culture martiniquaise existe, c'est évident. Quoi. Elle est composée par un apport indien, par un apport africain, par un apport européen. Et je suis martiniquais. Oui, mais dans quel cadre cet apport s'est géré? Peu importe le cadre. Certains étaient dans une maison où on était en train de couper de la canne. Je ne suis pas maître du cadre. Je suis martiniquais et moi je pense que je peux m'en sortir. Dans ce monde. Au contraire, je dis, mais effectivement, en étant martiniquais. Mais je vous dirais que vous irez plus vite en reconnaissant que vous êtes afro-caribéen. D'accord. Martiniquais. Excusez-moi, je suis martiniquais. Bon, mais c'est sur ce désaccord fondamental. D'accord. Je dirais, c'est un accord de façade, parce que moi, quand je vais vous démontrer par A plus B, justement, l'origine de la tradition de la Martinique avec l'Afrique, les mêmes rites, les mêmes musiques, les mêmes airs, vous comprendrez pourquoi on ne peut pas dire que la Martinique est... Vous savez que vous êtes, ça, excellent, vous êtes dangereux, quoi. Mais je pas dire, du tout. C'est parce que vous créez chez nous une véritable schizophrénie. Mais non, c'est parce que non, vous refusez de voir l'évidence. Mais je suis martiniquais, point, mais je veux dire, c'est une évidence. Mais c'est évident, quand le martiniquais sort son cas,
Le cas n'a pas été inventé par le Martiniquais. Le cas, il a bien une tradition, il vient bien de quelque part. Bien sûr. Donc, étudier l'histoire du cas nous emmène à étudier les origines du cas. Maintenant, quelle est la signification que nos ancêtres donnaient au cas? Quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui? C'est ça qui grandit le Martiniquais. C'est de connaître, c'est d'avoir sa culture générale sur sa culture. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi personnellement, c'est de regarder devant. Mais le fait de dire qu'il faut que je domine le monde d'aujourd'hui. Et moi, je crois que... Comment vous dominer le monde d'aujourd'hui sans racines? On n'a jamais vu ça. Si j'ai mes racines, je suis martiniquais. Ce que je veux vous dire, je vais vous poser une question. C'est que pendant que vous vous battez pour qu'on reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité, pendant ce temps-là, on vous prend votre pays et le peuple de votre pays dit « je veux être français ». C'est ça la réalité d'aujourd'hui, les combats tels que vous les menez. Oui, c'est important ce que vous dites. Oui. Vous savez, nous, on ne se bat pas pour dire que l'esclavage est crime. Nous battons. Ah, ça a été un grand nous battons contre l'aliénation culturelle. Voilà le fond du problème. Parce que nous pensons que de cette page d'histoire, il aurait résulté une altération de la pensée, du fonctionnement psychologique. Donc, c'est important de redonner aux gens leurs racines. Ce qu'il y a de très important aujourd'hui, justement, quand on veut se lancer, on a besoin de prendre appui et de compter sur des racines. Mmh. Parce que ce sont les racines qui donnent la texture et la culture, c'est-à-dire l'enrobage mental, psychologique, à la puissance de ce que vous allez faire. Pas besoin d'aller en Afrique chercher ça. Maintenant, la Martinique a été fondée sur quelles valeurs? Ce ne sont pas des valeurs de Martiniquais. La Martinique a été fondée sur des valeurs françaises pour une exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça le projet de la Martinique. C'est rien de français, ça. L'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas une caractéristique française, je veux dire. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations. La Martinique a été fondée dans le cadre d'un projet d'exploitation de l'homme par l'homme. D'accord ? Donc, si vous êtes martiniquais, commencez par changer le nom de la Martinique. Ah bon ? Trouvez un autre nom. Mais la Martinique a été fondée, le mot Martinique a été trouvé par des gens qui avaient un projet civilisationnel de l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Vous voulez récupérer la paternité du territoire ? Trouvez un autre nom. Pourquoi ? Donnez d'autres valeurs à ce pays. Pourquoi parce que c'est les valeurs de l'autre. La Martinique, je l'ai créée autant que les autres, je veux dire. Vous l'avez créée comment? En la subissant? Oui, en la subissant. Mais vous l'avez créée, mais on ne peut pas subir et créer. Si. Parce que ce que vous êtes en train de dire là est encore plus dangereux, ça veut dire que les maîtres de la Martinique, ce sont les béquets. Parce que selon vous, c'est eux qui décidaient, c'est eux qui m'achètent. Moi, je vais vous raconter une histoire. Maîtres. Et ça, c'est dramatique. Je vais vous dire une chose. Il y avait un pays qui s'appelait la Haute-Volta. Oui, qui avait un niveau de corruption très élevé. Arrive Thomas Sankara qui dit, ce pays, il faut que nous puissions le fonder nous-mêmes avec des valeurs différentes. Oui. Il crée le Burkina Faso. Oui. Vous prenez n'importe quel rapport de n'importe quelle organisation internationale, vous verrez que le niveau de corruption a chuté. Oui. Parce qu'il a donné à son peuple un idéal de valeurs. Si en tout cas, moi, j'ai vu n'est pas mieux que les autres. Moi, j'ai vu les documents. Je sais pas si ça et j'ai vu l'article qui a été fait dans le Times à ce sujet-là. Mmh. Il a donné des valeurs civilisationnelles propre à son peuple, le résultat a été différent. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que la Martinique a été créée sur un projet civilisationnel très précis. Oui. Si vous voulez donner une autre orientation, vous êtes obligé de vous asseoir pour définir un projet civilisationnel différent, lequel le nom de l'île ne serait pas la Martinique. Mais ça, c'est votre problème. Je veux dire que Césaire a dit... Attendez, les nègres, c'était les nègres. Césaire a pris ce nom, il l'a gardé, et puis il l'a magnifié. Non, mais c'est-à-dire que... Il n'a pas dit les nègres ne s'appelleront plus nègres. Non, bon, c'est-à-dire que, vous savez, quand on fait une équation mathématique, quand on dit 2 et 2 font 4, si on veut obtenir 4, il faut mettre 2 et 2. Vous voyez ? Si on met 2 et 1 et on veut obtenir 4... Ah, moi, je dis, faites ce que vous voulez faire. Moi, je ne suis plus dedans. Moi, je sais que c'est 2 et 2 qui donnent 4. C'est-à-dire c'est un raisonnement logique qui aboutit à un résultat logique. Maintenant, si on veut faire un raisonnement qui n'est pas logique, qui aboutit au résultat... L'histoire et les civilisations... En tout cas, moi, je vous dis une chose. Je vous rassure. Mathématiques. Je vous rassure. Je vous dis que vous avez très peu de chances d'arriver à bon port. Parce qu'il faut connaître le fonctionnement de l'humain. D'accord. Il faut connaître ce qu'on appelle la tradition, la valeur de la culture. Vous savez, la culture d'un homme. C'est l'essence même de cet homme. Moi, j'ai vécu en Afrique. Je connais tout ce que vous me dites là. Je dis que je suis martiniquais. Mm-hmm. Point. Je n'ai pas besoin d'avoir des références à toutes les... D'abord, je n'aime pas, je vous le répète, que vous dites l'Afrique. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui sont d'ailleurs des créations complètement folles. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Il y a, vous savez que le Burkina Faso est au nord de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Il y a une réserve là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Rwango-Fétine.
Martinique, c'est une réserve naturelle. Et il y a une tribu qui s'appelle les lobbies, qui sont une tribu de chasseurs et qui chassent. Donc quand ils ont un troupeau, eh bien, ils chassent, ils peuvent le chasser pendant des semaines, quoi. Eh bien, nous, on était justement en Afrique à ce moment, on était à la Rwango-Fetini, quelques semaines après seulement que les lobbies aient tué le gardien de cette réserve. Pourquoi ? Parce qu'il poursuivait un troupeau. Le troupeau est rentré sur cette réserve naturelle et le gardien leur a dit « Ah, c'est une réserve naturelle ». Les mecs, ils l'ont tué parce qu'ils ne comprennent pas ce truc de réserve naturelle. Quand on va au Burkina Faso, ce sont des frontières complètement artificielles créées par le colonisateur. Et les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est justement ça, tous ces voltaïques qui sont de la même tribu, quoi, qui déguisent. Donc tout ça est complètement l'Afrique, ça, l'Afrique quoi. Non. Mais tous les pays sont différents. C'est le même colonisateur qui a fondé ça, qui a fondé la loi du dédommagement des colons. Je suis devenu quelque chose. Je suis moi. Oui, mais pas dans l'espace créé par le colonisateur. C'est pas possible. Bah, d'accord. Donc vous voyez, vous êtes ce technicien de l'échec. Non, c'est pas vous ça. Vous prédisez l'échec. Non, je prédis pas l'échec. Je prédis pas l'échec. Moi, je vous dis que je vais gagner dans ce cadre-là. Mais on peut pas gagner. Parce que c'est mon pays. On peut pas gagner sur un terrain de jeu dont les fondements ont été définis par l'autre. C'est pas possible. Vous devez avoir votre propre terrain de jeu. Mais je redéfinis. Alors, autrement dit, il n'y a pas de problème. On va faire comme les Américains, on retourne en Afrique, on va créer un pays pour nous. Je dis simplement qu'au contraire, c'est très beau. Mm-hmm. Vous savez, il n'y a pas que le Burkina. Le Zimbabwe a fait la même chose, hein. C'est la Rhodésie, c'est du revenu au Zimbabwe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Attendez, vous croyez que c'est toujours positif, ça, ce qui se passe au Zimbabwe? Mais c'est toujours le même prédateur. Non, c'est pas le même prédateur. Là, il y a un gars qui s'appelle Mugabe, c'est pas un blanc. Non, mais attendez, c'est pas un blanc. Et le noir, oui, j'ai étudié. Nous avons été sur Africa 24 affronter deux experts américains sur la question. Vous voyez? Et on a posé une question très simple. Est-ce que Mugabe a voulu acheter des terrains en Angleterre? Est-ce que l'Angleterre a voulu acheter des terrains au Zimbabwe? Parce qu'il faut déjà répondre aux questions fondamentales pour déjà dégager la nature du problème. Il faut arrêter l'émission. Ah, oui, d'accord. Bon, ceci beaucoup. Dit, je dirais que c'est votre point de vue. Au contraire, on est là pour discuter, pour trouver, je dirais, l'intérêt d'entente. Mais je serais ravi, vraiment, de vous présenter les fondements véritablement techniques précis qui font que tout projet de construction de nation s'appuie sur un idéal civilisationnel propre. D'accord. Et ça, on peut pas y déroger. Malheureusement, on peut pas y déroger. D'accord. D'accord. Ce projet civilisationnel propre, je vais le créer, moi, ici. Donc vous êtes Monsieur Jean-Philippe Omotunde. Monsieur Jean-Philippe Omotunde, je vous ai dit que j'allais vous prouver que vous n'êtes pas heureux d'être en Martinique. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi. C'est parce qu'à l'Atrium, vous avez eu l'air très ennuyé d'observer qu'en Martinique, on va beaucoup au casino, qu'on roule beaucoup en 4x4. Et vous avez dit, mais au lieu de régler vos problèmes, vous allez au casino et vous roulez en 4x4. Vous ne pouvez pas être heureux tel que je vous ai vu là, dans ce pays-là. Effectivement, c'est le côté qui m'a énormément déçu. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque de nos grands-mères, de nos grands-pères, on voyait le savoir-faire manuel, on voyait le savoir-faire même du peuple. Aujourd'hui, je dirais qu'on développe la Martinique à partir de franchises, de savoir-faire qui viennent de l'extérieur, qu'on applique tout faire en Martinique, et on penserait que quand on a un peu de temps, les gens vont dans la montagne pour essayer de voir ce qu'il y a, voir ce qu'on peut transformer, essayer de voir ce qu'on peut. Non, le week-end, les gens sont dans leur bateau, d'autres jouent au PMU, les autres sont au casino. Moi, j'étais impressionné de voir comment le parking d'un casino à Fort-de-France était rempli de voitures et pas des petites voitures. Je me dis, mais on a l'impression d'être à Las Vegas ici. Vous voyez, ce qu'il y a de relativement surprenant, c'est que c'est une terre où nous avons été esclaves d'un système. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a des diplômes, on a des moyens, et on est toujours esclave du même système. On est devenu esclave de la société de consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je dirais, cette perception au niveau des adultes de la nécessité de faire émerger le génie martiniquais dans différents domaines, de manière à avoir des centres de formation pour former les jeunes. Vous savez, on dit qu'au départ, on court après un lionceau, mais après, on peut se retrouver dans la situation où on se met à courir parce que le lion qui est devenu un lion, eh bien, il a envie de vous dévorer. Je pense que la Martinique est en train d'allumer la bougie par les deux bouts. Parce que les gens qui se comportent comme ça, au-delà du fait de se comporter en irresponsable, ils oublient qu'il y a une jeunesse qui attend d'eux des responsabilités d'adultes. Et on voit énormément des arlequins, c'est-à-dire des gens qui pensent à s'amuser, alors qu'il y a quand même de vrais projets à bâtir parce qu'il y a des problèmes sérieux
qui touche vraiment à la jeunesse et que je pense que les temps que nous avons au niveau du week-end, ben, nous devons les utiliser pour nous retrouver par corporation de métier pour élaborer de vrais projets martiniquais. La Martinique doit pouvoir se développer sur la base d'un génie martiniquais, c'est-à-dire une production martiniquaise qui doit après rayonner à travers le monde.